Nous ne pouvons pas chercher confirmation, mais nous même venons à Wapden, Jacques Duvalier, et toutes les informations que nous confirmer que les avions vont descendre à l'heure. Bonsoir tout auditeur et tout auditrice de Radio Signal FM. Nous sommes Mona Berlando, candidate au Sénat pour le département du Centre, qui manière Jean-Claude Duvalier. Par contre, Jean-Claude lui-même, il est bien dans l'Alliance, qui vivait à Terry Momassa, parce que depuis hier, il était quitté la France, il est dormi Guadeloupe. Et par contre, dans le moment ça, qu'on y a là, avion déjà atterri, toute population a déjà mobilisé, tout journaliste ensemble avec nous dans l'aéroport là, n'attend que les mêmes les descendent porte avion pour nous accueillir, côté que tout le monde attend pour accueillir le président Jean-Claude Duvalier. Tout nous va droit au cœur. Il est arrivé du président Duvalier. Et pour nous, et nous espérons que, avec tout ce qu'on a connu ce pays, nous espérons qu'il y aura des changements pour le bien du peuple. Donc, ça veut dire que, d'après vous, l'arrivée de Jacques Duvalier va apporter un ouf au pays? Bon, écoutez, le président Duvalier revient dans son pays. Il revient dans son pays. Et maintenant, avec l'apport de tout un chacun, nous allons tous travailler pour la reconstruction de ce pays. Vous pensez que les autorités étaient au courant de la venue de Jacques Duvalier dans le pays? Ah, écoutez, c'est pour sûr. C'est sûr. Allô? Télévision nationale, vous comprenez? Pas qu'attendez bien. Télévision nationale. Allô? Est-ce que vous entendez moi? Pas qu'attendez. Pas qu'attendez même. Rile Libac. Non, pas aucun. C'est des images. On va se prendre des blagues et pas des. Monsieur le Président, vous êtes en Haïti.
Oh, mais c'est une grande joie. C'est une grande joie. Hein? C'est une grande joie. Okay? Et je crois que il y aura quand même un certain apaisement de toute situation difficile. Donc c'est, à ton avis... De conciliation, d'apaisement, je suis sûr. Il reviendra pour faire de la politique? Pardon? Est-ce qu'il reviendra pour faire de la politique? Non, 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 il revient dans son pays, c'est tout. Il est évident de le faire, mais le président le fera en temps et lieu. Madame Véronique, Véronique ne va pas parler. Thank you.
ha, 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 ha,